Les maîtres du sabre sont des guerriers équilibrés qui manient l'épée avec une grande précision. Ils peuvent aussi bien esquiver les attaques qu'abattre l'ennemi avec une dextérité dévastatrice. Les maîtres du sabre sont des guerriers. Les maîtres du kung-fu sont des armes vivantes capables de détruire leurs opposants par leur seule prouesse physique grâce à leur paire de poings d'acier. Ces agiles combattants de mêlée se spécialisent dans la contre-attaque et la lutte. Les maîtres du kung-fu sont des armes vivantes. Les assassins utilisent l'agilité, la ruse et des techniques furtives uniques pour surprendre leurs opposants. À l'aide de pièges et d'attaques ultra-rapides, les assassins disciplinés éliminent leurs opposants avant qu'ils n'aient le temps de contrer. Les assassins utilisent... Les maîtres du kung-fu sont des armes vivantes, maniant d'énormes haches. Les destructeurs sont des combattants de première ligne, capables de foncer au cœur de la mêlée. Grâce à leur force brute, ils peuvent absorber les attaques, harasser leurs adversaires et massacrer de nombreux ennemis d'un coup. Maniant d'énormes haches, les destructeurs sont des combattants de... Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres des éléments manipulent la nature pour attaquer leurs ennemis à distance, maniant les flammes, la glace et les explosions d'énergie concentrées pour les garder à distance. Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres des éléments manipulent la nature pour attaquer leurs ennemis à distance. Les maîtres du kung-fu sont des armes vivantes. Les maîtres du kung-fu sont des armes vivantes. Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres... Maîtrisant leur chi intérieur, les gardiens de la nature canalisent l'énergie tellurique pour contrôler et attaquer leurs ennemis. Ils invoquent et commandent de puissants familiers qui se battront toutes griffes dehors pour protéger leur maître. Les gardiens de la nature... Les lames dansantes donnent des coups d'épée rapides pour trancher dans la mêlée. Ces guerriers polyvalents utilisent leur chi intérieur pour paralyser un ennemi unique ou lancer des attaques tournoyantes sur des groupes hostiles. Les lames dansantes donnent des coups d'épée... Les maîtres du sabre sont des guerriers... Les maîtres du kung-fu sont des armes vivantes... Maîtrisant leur chi intérieur,